Amide, kouana zobe ta liboso na zate. Vous avez constaté que cet album s'intitule Dans ta présence, volume 2, comme pour dire que c'est la continuité du message après les volumes 1 avec Bonganga Nzambe, Mokonzi Nanga, Nsenda Wamutu, tout ce que vous avez aimé. Alors, il avait vraiment plu au Seigneur et le Seigneur nous a mis cela à cœur de faire la continuité de ce message. Je sais que pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais vous êtes à bout d'inspiration ou quoi? Non, ce n'est pas le cas. Vous savez, dans la présence du Seigneur, il y a deux merveilles que nous ne serons pas épuisés, quoi. C'est-à-dire, nous pourrions aller comme ça jusqu'au centième volume, mais nous ne serons jamais épuisés toutes les merveilles qu'il y a dans la présence du Seigneur. Oh oui, lève-toi, je veux te voir, mon Jésus. Tu es la source d'eau vive qui nous procure la vie. Toi qui m'as sauvé sans moi, comment le fait m'embrassera-t-il? Plus d'une année au studio en train de travailler. Une parenthèse, hein, vous qui nous piratez, vous faites vraiment du mal, quoi. Il faut arrêter. Donc plus d'une année au studio en train de travailler avec tous les amis chez Kina Musique, ce n'était vraiment pas facile. Et comprenez que cet album, nous l'avons réalisé, nous avons été à cheval entre Kinshasa et Afrique du Sud. Il a été prédit que le sceptre royal ne quittera jamais. Bon d'abord, tout le truc, le texte est correct. Oh, lève-toi, puissant guerrier. C'est notre deuxième séance aujourd'hui. Là, maintenant, nous sommes déjà à l'étape des chœurs. Après, ensemble avec les amis, nous viendrons donc Keuche, nous viendrons la semaine prochaine pour devoir faire l'élite. Papa, toi, Kendelisu, c'est pas une anane. Merci en tout cas mon ami d'être là. On est toujours avec Jesse comme d'habitude. Il est là, Jesse. This one goes out. This is for Mark Kalimba. He's been recording here in South Africa. We wish him the best. He's recording. He's doing a good positive thing. He's working in this country and we wish him the best of luck in his country. Uh-huh. Out to Congo and out to Nigeria. Yes. Positive. Yes. Yeah. Very good. Cool. What's up, guy? Hosanna to the land. Vous avez deux fois, deux fois, deux fois, deux fois. C'est ce que vous avez fait à vous écouter. Come on. Oh, we succeed.
law. Yeah, it's making but it's making sense. Yes. D'abord, quelqu'un, je l'ai connu peu avant la réalisation de cette chanson, mais les quelques temps que nous avons passé avec lui ensemble, le Seigneur finalement, petit à petit, me mettait à cœur, sincèrement, de faire cette collaboration avec lui. Étant donné que c'est quelqu'un de bien, déjà du point de vue en termes de réputation, c'est quelqu'un qui est vraiment propre, c'est un grand serviteur de Dieu, c'est une icône dans son pays, sincèrement le Seigneur l'a élevé. Ok, he's starting afresh. Ok, the whole thing. All right, no problem. 1, 2, 3, 4! Wait, wait, listen. From here, no here. Ok. Move this order. Yeah. Allez, Tobina. Understand? Ok. Allez. Bisognoso, Tobina. Allez. Tobina! Bisognoso, Tobina! Thank you, Jesus! Oh, oh, oh. Hosanna, Hosanna! Et tout de suite, c'était parti comme sur des roulettes. Quoi. D'ailleurs, quand il a pris ça vraiment sincèrement, il l'avait reçu avec beaucoup d'enthousiasme. Nous avons mis le machine en marche et finalement, nous sommes parvenus à la réalisation de cette chanson. Vous savez, chaque fois qu'il y a cette collaboration, cet échange culturel, ça permet que Mike intègre le milieu sud-africain et cela vice-versa. Allez, Tobin! Tobin, très très bien, j'ai vraiment aimé l'esprit d'équipe, le travail, ça s'est fait vraiment très très bien. Bah, c'est un travail de professionnel comme d'habitude, je suis sûr qu'on aura un bon travail à la fin, mais ce qui a été fait aujourd'hui, c'est excellent. Juste après l'enregistrement, directement il fallait prendre le temps dans des répétitions, question de coller certains gestes, chorégraphies et autres, la réalisation des clips, les images, ça et là. Il suffit seulement de regarder ces DVD avec beaucoup d'attention, avec l'œil d'observateur et d'analyste, vous irez comprendre quelque chose. D'abord, le site diversifié, donc nous n'avons pas seulement été à Kinshasa. Nous avons aussi été en province, par exemple à Lubumbashi, nous ne sommes pas seulement limités là-bas, nous sommes allés un peu plus loin encore jusqu'à Kipushi, Kasumbalesa. Nous avons été aussi en face à Brazzaville, ce n'était pas facile quand il fallait voyager avec toutes ces personnes, donc plus de 20 personnes, allez-y comprendre quelque chose. Et nous n'avons pas seulement été à Brazza, nous aussi nous avons été en Afrique du Sud. Donc sincèrement, je n'ai pas été seul pendant ce parcours. Il y a eu quand même des amis et des frères qui nous ont accompagnés dans la réalisation de cet album. Donc je tiens à saluer les efforts et les énergies fournies. Là, je vois d'abord Blaise Nsamu, moi je l'appelle les lauréats, donc le patron de PSPH. Ensuite, je vois également mon frère Christian Litassi. Et après Litassi, nous avons été également avec un grand réalisateur aussi. Et cette fois-ci-là, c'est Tony Bass, les studios NDI avec l'ingénieur Jupekis. Nos amis de l'Afrique du Sud, au studio MCM Digital, je vois Mr. Mark, Jesse et les autres. Aussi, je n'ai pas oublié Michel Lorenz, lui qui est un grand partenaire. Voilà, les quelques personnes qui nous ont accompagnés dans la réalisation de ce grand travail des titans. Ok, 3, 2, 1, 0, action. Bida. Comme vous l'avez constaté, c'est vraiment un album qui nous a beaucoup, beaucoup demandé en termes de moyens financiers, en termes d'énergie, de sacrifices. Donc, ça n'a pas vraiment été facile. Mais quelque chose pour lequel je bénis encore le Seigneur, c'est quelques temps après que l'album soit sorti, je tiens à souligner que nous l'avons sorti le 14 juillet de l'année passée. Sincèrement, c'est le premier de nos albums qui a connu une grande vitesse comme celle-ci. Et pour cela, je suis vraiment reconnaissant au Seigneur. Sincèrement, je ne nie pas, je ne rejette pas en bloc tout ce que le Seigneur a pu faire au travers des Ali Kambongolu, Oyolobi, Corona, Bonganganazam, mais tout ce que vous avez connu, je ne nie pas du tout. Mais sincèrement, cet album, c'est le premier de nos albums qui a connu une vitesse des croisières comme celle-ci, quoi. Je me rappelle qu'après qu'il soit sorti, deux jours après, j'étais aux États-Unis,
dans une longue tournée état après état. Partout je passais, pour moi je me disais, ils connaissent plus Bonganga, un jour et Ngolou. Mais là, il n'y a pas eu un seul concert, une seule journée de louange, d'adoration, sans que le public n'ait réclamé, soit Fongola Bicolo, Azali Seyemoko, mal à l'aise, Lamentation et les autres. Donc vraiment, allez-y comprendre quelque chose, le Seigneur nous a vraiment, encore une fois de plus, fait du bien au travers de cet album. Et pour cela, je dis grand merci encore à vous tous, consommateurs que vous êtes. Donc, une semaine, c'était suffisant pour que les chansons soient répandues à travers la ville. Kinshasa, vous retrouvez les enfants en cours de route, en train de fredonner des morceaux, tout ça. Même quand on pouvait aller sur le net, YouTube et tout ça là, le nombre de vues juste quelques heures après que les chansons pouvaient être postées était tellement, tellement colossal que, en tout cas, je me suis dit que c'était des signes forts, qui ne trompaient pas, que c'était un album aimé de beaucoup de gens, adopté, reçu, avec beaucoup d'enthousiasme et de chaleur. En Jésus, nous avons le pouvoir sur toute la force de l'ennemi. Comme il cobanga, n'a ma quitte à bango, toye kocha bango, n'a le sambo na biso. Je tiens à dire grand merci, la main sur le cœur, à toute la grande équipe Shekinah Music, ses frères et sœurs merveilleux, bourrés des talents que le Seigneur a mis à nos côtés depuis quelques années. D'ailleurs, je vous signale que le 13 mars l'année prochaine, Shekinah aura totalisé 10 ans d'existence. Ce sera une grande fête, retenez bien ça. Merci beaucoup. Là, je vois Kaza et Wing, je pense à Jean-Pi, Matungulu, Jeannette, Laura, Joël, je pense à Patty, je pense à Didier Mabika, je vois Daniel Kalinga et Rémi Badiachi, les Roby Bass, je pense à Célio, je pense à Midé, je vois Dimouila, je pense à Junior Mbala, très particulièrement, je pense à Cédric Kaniki, qui est le secrétaire derrière du groupe. Ce frère bien, vraiment un brave garçon. Ensemble avec lui, Jérémy Chindou. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous aime. Donc, grand merci à M. Antoine Katoto. Comprenez qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Kim Express, toujours l'Ikolo. Donc, que Dieu vous bénisse, Papa Antoine, pour cette collaboration. Et également, je pense au pasteur Guy Kapoya à Lubumbashi. Ensemble avec Maman Francine, ce couple merveilleux qui nous a toujours apporté son soutien sur différents plans. Que le Seigneur vous bénisse énormément, pasteur. Également, je pense toujours à Lubumbashi, au couple du PDG Makambo, avec Maman Esther Makabi, toute la famille Makabi. Je vois le prophète Élisée Kabongo. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent d'une manière comme d'une autre. Il y en a qui nous... avec qui nous n'avons jamais été en contact, mais qui ont quand même ce fardeau-là de prier pour nous. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Je vous aime. Merci. Soyez en forme, s'il vous plaît. C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on le fait. C'est ça l'absurde pour tout le monde. Ça peut aller même jusqu'à 8h, bien normal. Mais, tenons bon. Donc, on fait ça le meilleur de nous. Ce sera une manière de faciliter le travail. Sur toute la force de l'ennemi. Pas de négociation avec le diable. À quand moins les démons. Oui, il est vrai que les hommes n'ont pas toujours le même langage dans l'expression de leur amour les uns vis-à-vis des autres. Toi qui entends le cœur, entends le mien qui te parle dans le langage du cœur et te dit sans bruit, je t'aime. Je vois l'amour que tu me donnes, cet amour tant cherché. Par